Et donc salut à tous et à toutes, SaftersGamer49, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour vous montrer l'arme, la FAD. Donc c'est un fusil d'assaut. On va tout de suite passer aux accessoires. Donc un accessoire, je vous conseille le silencieux pour pas vous faire repérer. Un viseur laser pour une meilleure précision. Ensuite au niveau camouflage, vous pouvez ce que vous voulez. Et au visé, enfin l'espèce de visée, le réticule, voilà. Faites ce que vous voulez. Alors en secondaire, moi j'en mets aucune, vous faites ce que vous voulez. Mortel, vous faites ce que vous voulez. Et en tactique, pareil. Ensuite, on va passer à la deuxième image. Donc, enfin, les atouts. Alors en atout, je vous conseille fin prêt. Donc, pour recharger, pour après un sprint, lever votre arme plus vite. Tour de passe-passe pour un chargement accéléré. As de la gâchette pour viser plus rapide. Pour une visée beaucoup plus rapide que vous avez normalement. Nettoyeur pour tuer vos ennemis sans dévoiler leur position sur la map, ce qui est vraiment très utile quand vous êtes en série. Reconnaissance, quand justement c'est pour ça en fait qu'en technique vous mettez ce que vous voulez. Quand vous allez flasher un ennemi, vous allez pouvoir le voir à travers le mur, ou quand vous allez faire des dégâts à un ennemi, vous allez pouvoir le voir à travers le mur, ce qui est vraiment génial. Je sais pas par contre si les alliés peuvent le voir, je sais pas s'ils peuvent le voir, je sais pas du tout. Ensuite, donc GTR, donc la résistance pour éviter des dégâts de chute, donc parce que des fois on sait jamais. Alors ensuite, pour finir, l'équipement de combat, vous choisissez ce que vous voulez. Moi perso, j'utilise le chien, la toile automatique et le hind. Pardon. Alors on va tout de suite passer au gameplay. Donc je tiens à vous prévenir que c'est pas un gameplay complet. J'ai rejoint une partie en cours et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des parties. En début de partie, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait au moins 3-4 parties, puis ça m'a saoulé, donc j'ai décidé de faire ce gameplay là. Donc j'espère que ça vous plaire et on se voit à tout de suite. Alors pour le gameplay, ça se passe sur Octane, donc une map que j'apprécie énormément. En domination, parce que je trouve qu'on fait beaucoup plus de kills parce que tous les ennemis s'acharnent sur les points, c'est vraiment pas mal. Alors je voulais dire aussi, j'ai eu beaucoup de mal à jouer. Là c'est pas à cause de ma, enfin c'est aussi à cause de ma manette, hein, je tiens à le dire. Juste que vu que c'est ma nouvelle manette, les joysticks sont pas relâchés comme en ancienne. Vous pouvez voir même que j'ai dû baisser la sensibilité tellement que j'ai un peu de mal. Alors il y a des fois, enfin c'était dans le gameplay tout à l'heure que j'ai failli proposer un gameplay. Il y a un ennemi qui était à 10 mètres de moi, j'ai eu trop de mal à le viser, j'ai eu beaucoup de mal. Celui-là aussi j'ai eu un peu de mal, mais malheureusement j'ai fait une assistance, je sais pas pourquoi. Aussi dans le gameplay, il y aura un moment où je vais monter à une échelle. Et puis il y aura un ennemi en haut, il m'a pas vu, je monte, sans faire exprès, je reviens dans l'échelle. Il m'a toujours pas vu, je remonte et puis hop. Alors, c'est-à-dire que je l'ai tué, mais avec beaucoup de mal, je crois. Ouais. Alors ici à ce moment, oula pardon, je crois que j'ai touché le micro. À ce moment là il y avait un ennemi à l'intérieur, donc d'ailleurs il est là, il est couché. Donc je l'attendais, il y en a un autre qui est passé en même temps, je pensais que c'était lui. Je pensais qu'il avait contourné, mais non malheureusement. Là alors voilà, je l'ai tué. Enfin bref. Alors pour le score, je m'en tire avec du 11-5, ce qui est, on va pas dire pas mal, mais j'arrive en cours de partie vers moitié la fin. Du coup je pense que c'est vraiment... pas mal du tout. Et je tiens aussi à m'excuser par rapport à la vidéo de BF4 d'hier. Simplement j'ai bafouillé. Là pour voir, voilà. Ah non, en fait je me suis fait tuer à l'échelle. Ouais bah j'ai jeté ma grenade plus bas. Donc je tenais à m'excuser pour hier la vidéo. Enfin ça, soit c'était hier. Enfin le... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc soit c'était le 27. Le 27, donc je l'ai posté hier, donc je sais pas à quelle heure ou même quel jour j'ai posté cette vidéo. Enfin, je tenais quand même excusez pour la prononciation, parce que j'ai dit donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Battlefield 3, alors que c'était Battlefield 4. Je me suis vraiment planté, même deux fois d'affilée, j'étais vraiment dégoûté. Donc je tenais à m'excuser. Aussi, normalement, j'avais dit dans la vidéo justement que j'avais proposé. Donc en 1080p, mais cela a foiré tout simplement parce que mon logiciel Sony Vegas ne prend pas en compte les fichiers du Elgato. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il prend pas en compte. Du coup, j'ai dû faire sur un vieux logiciel que j'ai pris sur un petit PC que j'avais, hein, donc Windows Live Movie Maker.
J'avais mis en HD, donc en écran large HD, et ça m'est ressorti en 320p, ce qui est pas du tout correct, on va dire. Alors que même normalement, juste une partie là que je vous propose, si je le mettais sans faire de montage, j'en avais pour 480p, ce qui était, on va dire, bah, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas mieux que du. J'aurais préféré avoir du 1080. C'est juste que avec mon ordinateur, il est pas assez puissant, on va dire. J'ai pas assez de gigas de RAM. Donc sur le boîtier, il conseille 4 gigas de RAM, et moi j'en ai que 2, du coup je peux filmer qu'en 480p. Malheureusement. Aussi, je voulais dire quoi? J'avais oublié. Autrement. Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Oui, aussi, ouais. Bah oui, aussi dans le gameplay d'hier. J'avais vu que je l'ai fait sur un petit ordinateur, j'ai oublié de mettre la petite vidéo de fin, c'est-à-dire vous savez, la vidéo où il y a marqué vidéo précédente, vidéo aléatoire, vous abonner, voir les vidéos et tout que j'ai posté sur la chaîne. J'ai oublié de le mettre hein, parce que je me suis rendu compte qu'à la fin et je voulais annuler, mais voilà. En plus, j'ai mis franchement, j'étais énormément dégoûté pour le montage du 360p parce que j'ai mis une soirée, on va dire, à le faire. Ouais, une soirée. Alors, le gameplay va se terminer en 20 secondes. Voilà, la partie elle est pas énorme, hein, je suis avant-dernier. Enfin, bref, j'ai mis toute une soirée, voire même la nuit. Sauf que pendant la nuit, je sais pas ce qu'il y a, mais il s'est annulé. Donc voilà. Donc je l'ai refait pour toute une matinée. Et l'après-midi, ça sortit en 360p, ce qui est mauvais. Bon, bah, les gens, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter. Dites si ça vous a plu. Mettez un j'aime et puis abonnez-vous, hein, je sais pas si je l'ai dit. Ah, bref. Allez, ciao, bye.